Bonsoir mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que tout va bien. Voilà, c'est le mois de juillet, mes chers amis. Et c'est quoi? L'info le plus important, c'est le bleu. C'est le bleu. Ils ont gagné. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 de FM, radio ici maintenant. David Abassi est avec vous et comme vous savez, vous avez la parole. Dès maintenant, vous pouvez commencer à nous appeler pour vous exprimer. Et si vous avez des questions, bien sûr, mais je sais que vous êtes très nombreux de vouloir vous exprimer à ce jour de la victoire de Bleu. Partout, on parle de ça. Vous êtes pour ou contre? Football, ça vous intéresse ou non? L'économie de football est importante ou non? C'est quoi cette jeu que tout le monde aime? Tout le monde l'aime, ils sont joyeux. Même les gens qui n'aimaient pas le football, l'omission de cet sport, surtout après la victoire, a touché une grande population. Même j'ai vu tout à l'heure sur les Champs-Élysées, au moment que je voulais quitter mon bureau, plusieurs centaines de gens qui je voyais en face de moi, c'était des touristes, mais avec le drapeau français, c'est-à-dire l'ambiance, il était international, mes chers amis. Alors, la France va toucher 34 millions d'euros concernant la victoire de Bleu en Russie. 34 millions va être partagé parmi les joueurs et une partie va rester dans la fédération de football. L'argent est très peu par rapport à l'échange d'argent dans le club de football depuis toujours. Mais quand même, c'est intéressant. Alors, la joie de peuple français, après cette victoire, c'était énorme et historique. Comment vous voyez le football? Moi, je le vends, l'appartement, à trois étages. Et je vends trilingue, avec trois couches, on peut dire, trois couches, rondes avec trois couleurs. Et quand je dis trois couleurs, je crois que l'immeuble à trois étages, ça va mieux. Vous savez, le premier étage de football, c'est l'organisation et l'argent. C'est-à-dire, juste en haut. Les gens qui organisent et financent et gèrent le finance de football. Et deuxième étage, deuxième partie, deuxième couleur, deuxième ronde, c'est quoi? C'est les joueurs. C'est les joueurs. Les joueurs, c'est deuxième partie de l'histoire et de l'appartement de football. Ces gens-là aussi, dans le finance, ils touchent des sommes assez intéressantes, assez importantes. La joie est aussi pour eux.
il gagne ou il perd, de toute façon, dans le petit club ou grand club, il y a beaucoup d'échanges d'argent, comme vous le savez. Échanges d'argent, beaucoup. Comme PSG, par exemple, depuis qu'il a été acheté par l'Emirat, vous voyez, une grande publicité qu'ils font depuis, c'est sur la ligne aérienne de leur pays, Emirat. Sur tous les maillots, par exemple, vous voyez le SIG et surtout la compagnie aérienne d'Emirat a gagné énormément de l'argent, a augmenté dans les bourses depuis que PSG est entré dans l'histoire d'Emirates Arabes. C'est-à-dire l'argent est important dans la première couche, dans le premier étage et dans les premiers rangs de cette histoire. Après, bien sûr, les joueurs aussi, toujours, ils gagnent bien leur vie. Tant mieux, hein, tant mieux, ils gagnent bien leur vie. Et troisième couche, c'est quoi? C'est moi. Et c'est vous. C'est le peuple. Émission. La joie. La joie des gens. C'est le peuple. C'est le peuple qui dépense et qui finance. Le finance officielle, ça vient de couche sociale de peuple. Ils ne gagnent pas de l'argent, mais ils dépensent de l'argent. Ils ne gagnent pas de l'argent, mais c'est des supporters qui ramènent la publicité également et l'argent pour le club, pour le métier de football. Et ces gens-là sont de plusieurs millions de personnes. Ils ne gagnent rien, mais c'est ces gens-là qui crient, qui sont pleins de joie quand ils ont une victoire. Quand ils ont l'échec, ils sont fâchés. Ils sont fâchés, c'est le foule. On dit le foule, le peuple. Troisième étage, c'est-à-dire c'était premier étage, c'était organisation et financement. Deuxième, c'est le joueur qui est également gagne de l'argent. Mais troisième, c'est troisième partie de couche. De football, c'est le peuple, le foule. Ils dépensent énormément d'argent, c'est un plaisir, comme tous les plaisirs. Mais le plaisir de football, il est énorme par rapport à tout le plaisir. La joie est plus énorme, plus grande par rapport à d'autres joies. Imaginez-vous, depuis hier à ce jour, plusieurs millions de personnes partout dans la rue, dans les rues de la France, même ailleurs, plein de joie. Et cette joie, le peuple français, je crois qu'il avait besoin de ça. Après toutes ces histoires tristes, pauvreté, discrimination, chômage, morale qui n'était pas bien, cette victoire peut-être a changé l'ambiance du pays. Il va rester ou non? Et si vous êtes d'accord ou non, que pensez-vous à ce sujet? Vous avez la parole. En composant le 08 92 23 95 20. David Abbassi est avec vous, mes chers amis, ce lundi-là. Et 08 92 23 95 20, nous allons recevoir vos interventions. Et maintenant, ici et maintenant, 95 points d'FM. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.
Alors, Bruno Le Maire, ministre des Finances de notre pays, il avait annoncé comme quoi la victoire bleue va avoir une impression positive sur l'économie et français. Cette impression positive, ou comment, moi je ne sais pas. Il n'a pas donné plus d'explications, mais c'est à vous, mes chers amis, si vous avez des informations, si vous savez comment ça peut donner des impressions positives sur l'économie, vous pouvez intervenir, vous pouvez nous dire. Et de l'autre côté, et comment ça se fait, c'est-à-dire cette plaisir de regarder le football, quel différent avec d'autres sports, qu'ils soient basketball, tennis, volleyball, ping-pong, je ne sais pas quoi, rugby, il y en a plein de sports. Mais comment ça se fait que c'est le football qui prend beaucoup de place? Et les gens aiment beaucoup le football par rapport à d'autres sports. Je ne sais pas ça aussi, si vous pouvez nous informer. Ça peut être intéressant. Et s'il y en a d'autres sujets qui vous intéressent, c'est le 08 92 23 95 20, mes chers amis. Lundi et dernier samedi de chaque mois dès 23h, retrouvez David Abassian en direct sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur internet ici-et-maintenant.com et sur la RNT, le canal 9A.
L'humeur du temps, tous les lundis dès 23h et Soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abassi, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abassi en quatre langues, rendez-vous sur opinion.pm. Alors nous avons Antoine avec nous. Et bonsoir Antoine. Bonsoir. Comment ça va? Malade, hein? Très très bien. Non, non, non. Ça va, d'accord. Vous avez suivi le football aussi ou non? Oui, bien sûr. Alors? Je suis moi-même un fan de foot. Fan de foot, c'est bien. Et j'en ai pratiqué quand j'étais jeune, dans les clubs, dans les associations, ainsi de suite. Et voilà, donc... Non, mais c'est intéressant de savoir pourquoi il y a autant de choses, que ce soit l'économie, la civilisation ou l'engouement des gens, c'est tellement attiré par le football. Effectivement, comme vous avez lancé, Bruno Le Maire qui avait dit ça, c'est quand même assez fort que même l'économie de la France va bouger parce que la France a gagné la Coupe du Monde. Et pourtant, la France a déjà gagné la Coupe du Monde de handball. On a déjà vu aussi un tennisman, et bon, certes, il y a 35 ans, qu'il a gagné le Roland-Garros. Est-ce qu'aucun ministre de l'économie de l'époque n'avait dit ça, que l'économie française va bouger parce que l'équipe de France a gagné? Donc il y a quand même quelque chose qui se passe avec ce football. C'est évident. Ça, il faut reconnaître. Voilà. Alors, comment, à ton avis, comment ça peut bouger l'économie de la France? Parce que c'est fini, c'est terminé. Mais comment ça peut apporter l'argent pour l'État? C'est qu'il faut regarder. On a raconté maintes fois d'où vient le football. Voilà. D'où vient le football et comment ça se joue, le football. C'est ça qui est important. C'est ça que les gens, ils ne voient pas. Les gens, hier, ils ont crié, on a gagné, on a gagné, on a gagné, oui. Mais comment ça se joue, le football? Ça ne se joue pas comme le basketball, ça ne se joue pas comme le volleyball, ça ne se joue pas comme au tennis. C'est complètement différent, le football. La naissance du football, c'est... On a pris des gens qui étaient presque exclus de la société, qui étaient dans des internats. On les a mis, on les a pris, ces jeunes, ces enfants, et on leur a dit, vous vous bagarrez tout le temps. Maintenant, vous allez jouer à un jeu, le football. C'est de toucher la balle avec son pied. On ne touche pas avec la main. C'est quand même assez dur de diriger un ballon avec le pied qu'avec la main. Donc, on ne touche pas avec la main, on va toucher avec uniquement le pied. Et surtout, vous qui êtes, entre guillemets, à cette époque-là, des voyous, vous ne devez pas vous toucher. Donc, il ne doit pas avoir de contact physique, de taper l'adversaire, de donner des coups et de le faire tomber. Non, on n'a pas le droit, parce que ça fait une faute, un coup franc, football. Donc, on a mis des règles assez strictes pour ces jeunes, pour ne pas qu'ils se bagarrent et qu'ils doivent jouer à un jeu. Donc, aujourd'hui, le vrai football, hier par exemple, les joueurs, ils ont joué, ils ont respecté ces consignes, qui est le football. Sauf que, qui joue au football aujourd'hui?
il faut être très malin, il faut être mesquin, il faut savoir donner des coups sans montrer à l'arbitre, sans se dévoiler. Il faut dire qu'on est victime d'une faute pour avoir un coup franc, comme hier on a tiré et puis la balle est rentrée. Donc le jeu de football, c'est joué par des gens qui sont très très malins. Ils tombent sans même qu'on le touche, ou juste ils provoquent une faute. Donc vous voyez, c'est pas comme le baseball ou le volleyball ou le handball ou le rugby. Par exemple, au rugby, c'est connu, on va donner des coups. Sous la mêlée, il y a des uppercuts qui volent, il y en a qui prennent des coups et qui sortent de la mêlée avec un œil noir. Mais tandis qu'au football, ben non, ça ne se fait pas. Mais ça se fait en cachette. Mais est-ce qu'avec les caméras de surveillance qui existent aujourd'hui, on peut faire ça? Parce qu'il y a des caméras de surveillance que même les arbitres ils consultent, comme il est consulté pour une affaire hier. Et est-ce qu'on peut tricher? Il y a des caméras. On peut tricher? Avant, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a. Mais même avec, hier par exemple, on n'a pas touché l'attaquant français, il a soulevé les deux jambes et il est tombé. Il n'y a pas faute. Et pourtant, on a sifflé un coup franc. Donc le gars, il a vraiment bien simulé. On a eu un coup franc et on a tiré, on a marqué le but. Donc c'est quand même assez important que même avec les caméras, tout ça, on arrive à tricher. Donc, jouer au football, tous les joueurs, ils savent que les caméras le regardent, ils sont en train de voir comment on fait et tout, on se cache, mais bon, on donne un petit coup, dès qu'on lui touche un tout petit peu, il tombe, il roule par terre. Donc, c'est un sport de jouer par des gens très, très, très malins. Voilà. Il y avait une équipe de Hollande il y a 4 ans. Ils jouaient très bon au football. Mais sauf que les joueurs, si vous voyez, ils étaient tous des joueurs d'une classe de famille assez aisée. Mais ils n'ont pas pu gagner. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas assez malins. Ils jouaient très bien, mais ils n'étaient pas assez malins. Donc, il faut être malin pour gagner au foot. Donc, faisons le rapprochement maintenant avec l'économie. Faut-il être malin pour bouger la France? Faut-il être malin pour faire croire aux Français qu'il y aura quelque chose ou qu'il va y avoir quelque chose ou qu'il y a quelque chose pour que les Français bougent un petit peu, entre guillemets, on leur dit de bouger, mais bouger où? Ça aussi, il faut savoir, bouger où. Donc, c'est pour ça que le football a toujours attiré des gens, mais les gens, ils pensent que c'est facile de jouer au foot. Ils disent, ah oui, mais moi, c'est très facile. Et on critique facilement les footballeurs en disant, ils courent derrière un ballon, et ils ont des millions, et ils gagnent des millions. Ah oui, mais dans ce cas-là, tout le monde n'a qu'à courir derrière un ballon pour gagner des millions. Eh ben non. Il y a aussi une hygiène de vie qui est demandée, ainsi de suite. Mais arrivé à un certain moment sur le terrain, il faut être plus malin que l'autre pour gagner. Voilà. Alors, puisque toi-même tu es footballeur, est-ce que tu viens de dire quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire tu penses que cette équipe c'était sélectionné dès le départ pour gagner, c'est-à-dire, toujours là pour gagner, hein, toujours, toute l'équipe, il va gagner. Mais c'est-à-dire, le couche sociale de cette équipe était choisie, à ton avis, comme tu viens de dire? Très important. Le couche sociale
c'est très, très important. Pour avoir une bonne équipe, il faut savoir où est-ce qu'on peut trouver des gens malins pour faire quelque chose, pour simuler quelque chose. Parce que simuler quelque chose, c'est pas facile à faire. On dit oui, il simule, bah oui, mais vous n'avez qu'à simuler les autres, ben, sauf qu'on ne le fait pas. Regardez le match de Argentine-France. Il reste 5 minutes. Les Argentins, ils ont perdu le match. La seule façon où ils réussissent à revenir, à marquer un but, c'est que les défenseurs, les Argentins, ils commencent à provoquer vraiment. Ils insultent l'arbitre de touche, les joueurs français. Pour que les joueurs français s'énervent plus que les autres et qu'ils les frappent ou autres pour avoir un carton rouge pour l'équipe de France. Donc, les Argentins, ils commencent à parler, ils commencent à insulter. Il reste 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes. Ils marquent un but. Ils disent, c'est bon, c'est le moment de encore provoquer, de faire craquer cette équipe de France. Eh bien, ils provoquent, ils insultent. À chaque fois qu'on les attaque en français, ils viennent vers les Argentins, ils les insultent tout pour marquer ce quatrième but. C'est vrai que ça s'est passé à 5 cm de près. Bref, donc, il y a le jeu football, et à côté, il faut être très malin, mesquin, vicieux, pour pouvoir provoquer quelqu'un, pour faire faute et réussir. Les Français, là, ils étaient très calmes, ils sont pas tombés dans le piège, et ils attendaient, il reste que 3 minutes, 4 minutes, on va attendre le coup de sifflet final. Bon, voilà. Donc, vous voyez, il y a un moment donné où il faut être très malin, très provocateur, on provoque sans toucher l'adversaire par des mots, pour qu'il tombe dans le panneau. Et de l'autre côté, on doit être très fort psychologiquement pour ne pas tomber dans le panneau, pour attendre la fin. Donc, le football, c'est un sport de combat, un combat physique et moral, mais vraiment un combat, avant tout un combat physique. Il y a des fois où l'attaquant, il va vers la défense 2 ou 3 fois, le défenseur lui donne un coup de coude à l'estomac. L'attaquant, il va pas aller une deuxième fois près de ce gars-là. Il va se retirer, il va rester à 1 ou 2 mètres de ce gars-là. Il n'a pas envie de prendre encore un coup de coude. Voilà comment ça se passe. Où l'attaquant, il saute, et l'autre, il saute en même temps le coude vers le haut. Il lui donne un coup de coude sur son visage. La deuxième fois, il ne va pas revenir sauter avec lui. Il va rester un peu plus loin. Voilà ce qui se passe dans le football. Donc, c'est un sport vraiment de malin. Oui. Alors, c'est-à-dire, en même temps, les joueurs doivent être acteurs de cinéma. Ils doivent jouer leur rôle. C'est-à-dire jouer le football et jouer le théâtre. Ils sont acteurs. Ils sont même des très bons acteurs. Certains sont des très bons acteurs. Mais ils arrivent à maîtriser. D'ailleurs, l'entraîneur il sait, mais il ne dit pas. Puisqu'il est lui-même un ancien joueur. Pourquoi un joueur est blessé, il reste par terre 30 secondes de plus. Bon, s'il n'est pas blessé, il n'a qu'à se relever. Ben non. En 86, il y avait le match Mexique contre Paraguay, je crois. Il y a eu, au Mexico, il y a eu combien de minutes d'arrêt de jeu? À chaque fois qu'il y avait des fautes, c'était un arbitre français, Joël Quignon, qui a arbitré. Et il a dit, s'il donne tous les arrêts de jeu cumulés, il faut qu'il laisse jouer encore 1h60. Vous vous rendez compte? 90 minutes plus 60 minutes. Donc il a arrêté en 99e minute. Parce qu'il y avait tellement de fautes, tellement de si
cinéma, machin. Il y avait l'attaquant de Real à cette époque, Hugo Sanchez, qui était mexicain. Il a fait tout un cirque parce qu'on lui a touché. Il est tombé dans la surface. Il a dit, le défenseur, il a cassé ma jambe et tout. La civière est venue, ils l'ont amené dehors. Et à ce moment-là, l'arbitre, il siffle un pénalty. Et Hugo Sanchez, il se relève, il dit, ah ben je vais tirer le pénalty. Il rentre sur le terrain pour tirer le pénalty. Qu'est-ce qui se passe, à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il tire le pénalty, il tire à côté. Voilà, tu vois, football, on dit souvent il y a une justice, mais bon, ben, ça c'est le truc plus classique, quand ça tourne rond, on dit oui, il y a une justice. Moi, je ne crois pas à ça, mais en tout cas, le football, c'est quelque chose qui est mystique, qui est caché. On ne dit jamais que les joueurs sont des vicieux, sont des malins, sont des acteurs, on ne dit jamais ça. On dit que c'est des très bons joueurs. On est fier d'être français, fier de ceci, fier de nos origines, ainsi de suite. Mais on ne dit jamais qu'on a sélectionné les 11 plus malins joueurs pour jouer la Coupe du Monde. Voilà. Merci Antoine, reste avec nous. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. Mes chers amis, et comme vous savez, vous avez la parole sur cette antenne, comme d'habitude. Voilà, les Bleus sont gagnés, ils ont gagné. Il est le maillot avec 12 étoiles qui va sortir. Ça, quand même, ça va être important dans l'économie. Pourquoi? Puisque le maillot va être vendu entre 80, 120 et 140 euros. Le maillot qui est en Chine ne va pas coûter qu'un ou deux dollars. Va être vendu à 140, 120 et 180 euros. Et plusieurs millions, il aura vendu de cette maillot avec 2 étoiles, puisque maintenant, l'équipe de France, c'est 2 étoiles, 2 fois championne du monde. Et tout à l'heure, le bus impérial, qu'on l'avait bien préparé au moins de 24 heures, il n'avait pas beaucoup de temps, moins de 24 heures, on avait préparé le bus marqué champion du monde. Et les artistes, voilà, les artistes, les joueurs sur le toit de cette bus vers Élysée, spectacle qui était intéressant, c'est-à-dire jamais vous n'avez pas eu comme ça. À l'époque, Chirac, il les avait reçus à Hôtel Crillon, mais cette fois-ci directement à Élysée. Et plusieurs centaines de milliers de gens sur les Champs-Élysées, à toutes les stations de métro, de Concorde jusqu'à Place Charles de Gaulle Étoile, et de l'autre côté, Miromesnil, Madeleine, Iéna, tout ça s'était fermé, même l'accès pendant certains temps, l'accès aux Champs-Élysées aussi était fermé, puisqu'il y avait assez du monde, on ne voulait pas déborder comme hier, plusieurs centaines de milliers de gens qui réclamaient les joueurs. Et il était dans la joie pour regarder leur champion. Voilà, ça aussi, c'était une sorte de joie pour le peuple français. Et comme je vous ai dit, après plusieurs années de problèmes moraux, économiques, etc., etc., cette joie, au moins, ça peut changer un peu psychologiquement, peut-être, la tête des gens, en oubliant certains problème quotidien et qui existe, mes chers amis. Vous êtes sur la radio ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2. Ça passe, ça passe, ça passe.
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, au moins, le footballeur français, les champions, les bleus, ils ont eu leur paradis. Alors, on pense, on croit ou on ne croit pas au paradis, un autre monde existe ou non, mais le paradis, c'est quoi? C'est celle qu'ils ont eu depuis hier, depuis qu'ils ont gagné. Jusqu'à même maintenant qu'ils sont en train de fêter avec Macron, Brigitte, plein de joie avec la famille, avec les amis, avec les élus, les ministres, et monsieur le président et sa femme. Voilà, au moins, actuellement, les bleus sont au paradis. Voilà, c'est, le paradis, c'est quoi? C'est la joie d'être... des champions, plus d'un million de personnes vous réclament. Vous avez votre femme, vos enfants autour de vous, vos amis, et vous êtes en train de vous amuser, satisfait de leur vie, satisfait de votre travail depuis des années, que vous avez 19 ans ou 26 ans, vous êtes champion, et c'est votre paradis. Vous voyez, le paradis, c'est comme ça, ça existe. Après, même qu'on est pour ou contre, même ils ont fabriqué le paradis pour plusieurs millions de personnes qui sont contents. Qui sont contents, qui sont gays, en train de danser, chanter, bouger, partout dans le monde où se trouvent des Français, qui sont en Russie hier et... tout à l'heure aux Champs-Élysées. C'est vrai que vous avez sans aucun doute regardé à partir de la télé, mais vous devez être présent sur place pour voir ce qui se passait depuis ce matin. Toutes les boutiques de Champs-Élysées s'étaient fermées, toutes les galeries de Champs-Élysées s'étaient fermées. Arrêt total de business, de commerce, et les gens pleins de joie avec le drapeau français qui était dans la roue. Oh, c'est tôt. Oh, c'est tôt. Depuis 9h, 10h du matin, et les bleus sont arrivés vers 20h. Et les gens étaient dans la roue. Et il était présent. Et il était content de cette attente. On est pour ou contre. Je sais qu'en partie, les gens ne sont pas d'accord avec cette histoire. Mais imaginez-vous, que les gens qui étaient présents, qui suivaient l'affaire, les héros, d'autre côté, les champions du monde, les Français qui sont champions du monde de l'autre côté, en paradis, ou même aussi en paradis. Alors le paradis, l'autre paradis existe ou non, c'est autre chose, on en a parlé plusieurs fois, vous voyez ? Thank you.
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors Antoine, à ton avis, ils sont en paradis actuellement, le bleu? Ouais. Allô? Oui, Antoine. Oui. Alors à ton avis, est-ce que ils sont au paradis actuellement, le bleu? Avec tellement le joie, le succès. Je sais pas, moi je ne crois pas du tout au paradis, mais en tout cas, ils doivent être contents. Ils doivent être contents de ce qu'ils sont en train de vivre. Ça va leur donner quelque chose de plus qu'ils ont déjà. Avoir un titre de champion du monde, c'est rien, c'est pas donné. Ça va valoriser leur budget, parce que chaque joueur chaque joueur qui est sélectionné en équipe nationale prend de valeur. Voilà. Et s'il est sélectionné en équipe nationale, ça prend de valeur. Et s'il gagne un titre avec l'équipe nationale, ça prend encore plus de valeur. Donc tous les joueurs qui ont une médaille d'or, la Coupe du Monde, prennent plus de valeur encore. Parce qu'un club qui va recevoir, qui va essayer de démarcher pour avoir un joueur qui a gagné la Coupe du Monde, le club va aussi en profiter de la présence d'un joueur qui a gagné la Coupe du Monde. Ça va faire rentrer plus de spectateurs, plus de publicité, et ainsi de suite. Donc, chaque joueur, c'est pour ça que chaque acte est capital, on va dire. Si on gagne la Coupe du Monde, ça prend de valeur. Voilà. A pris de valeur, mais les joueurs français ont pris de valeur. Ils vont coûter un peu plus cher à l'achat pour départ des clubs, parce que ces clubs peuvent rentabiliser facilement un joueur qui a gagné la Coupe du Monde qu'un autre qui n'a pas encore gagné. Voilà. Donc, est-ce que tu sais combien un joueur touche lui-même, quel pourcentage va aller au club? C'est très peu. Le joueur, par exemple, on parle de Cristiano Ronaldo qui est parti à la Juve, il va toucher 30 millions par an. C'est vraiment très peu sur la totalité que le club va générer comme profit. Si un entrepreneur, un chef d'entreprise donne le SMIC à ailleurs, c'est qu'il doit faire rentrer plus que le SMIC, beaucoup plus que le SMIC pour pouvoir payer le SMICard. Donc c'est pareil. Un joueur, c'est un travailleur comme un autre. S'il signe un contrat pour 10 millions ou 20 millions,
Eh bien, c'est parce que le club va gagner beaucoup plus que ce 20 millions pour pouvoir le payer. Donc, ce que touche le joueur, en gros, on va dire, c'est pas beaucoup par rapport à ce que le club gagne. Voilà. Donc, on dit souvent. Tu connais pas le pourcentage, non ? Quel pourcentage ? Non, je connais pas le pourcentage, mais on dit souvent que les joueurs gagnent beaucoup d'argent. Ben c'est faux. Les joueurs n'ont rien demandé. L'argent est tombé dans les clubs. Ça aussi, il faut reconnaître. Depuis 1984, depuis l'arrivée de Canal+, l'argent est rentré dans le club français. Le club n'est pas propriétaire du stade, parce que c'est la municipalité qui est propriétaire du stade. Donc le club ne peut pas donner plus d'argent pour rénover le stade ou autre. Donc ils attendent, ils font le strict minimum. Donc cet argent-là, à qui voulez-vous qu'ils donnent ? Ils ne peuvent pas garder pour eux, le président de club, il ne peut pas garder pour lui. Donc il faut qu'ils donnent quelque chose, il faut qu'ils dépensent. À qui il peut donner ? Eh bien, à des joueurs. À des joueurs un peu plus meilleurs qu'il a, il dit, je te donne ça, tu viens chez moi. Eh bien voilà, c'est commencé comme ça. En plus, les publicités, ils ont suivi. Il y a eu, dans les années 80, début 80... Il n'y avait que, je ne sais pas, très peu de millions de francs qui rentraient dans la caisse de la Fédération française avec la pub. Après, il y a eu un publicitaire un peu intelligent, on peut dire intelligent ou malin, qui s'appelle Darmon. Et lui, il a dit, ben, je vais vous faire rentrer plus d'argent. Donc, il a fait tourner les pubs autour du terrain, des tourniquets tourner, trois pubs, et bien ça a ramené plus d'argent. Après, ils l'ont mis en électroniquement, ça donnait beaucoup plus d'argent. Et bien voilà. Donc, plus l'argent rentrait, il fallait qu'il donne qu'à quelqu'un. Donc, le maillon, le dernier maillon de la chaîne, c'est les joueurs. Ils ont dit, bon ben, on va donner aux joueurs pour avoir plus de joueurs plus efficaces. Et bien voilà, ça a commencé. Ça a commencé comme ça. Donc, les joueurs, ils touchent l'argent, mais le club, il touche beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que le joueur. Après, en parenthèse, tu viens de dire que tu ne croyais pas au paradis. C'est vrai, tu ne crois pas au paradis comme les autres ? Non, non, non. Moi, je ne crois pas au paradis. Je ne crois pas à l'enfer, ni à paradis, ni à l'enfer. Voilà. Mais c'est un marché assez pratique pour toutes les religions, quand même. Ah bah oui. Pour la religion, oui, puisque même en France, à un certain moment de notre époque, on a vendu des permis aux gens pour rentrer au paradis. Donc qui achetait ces permis-là ? Ce sont les nobles. À cette époque-là, il n'y avait que des nobles qui pouvaient acheter des permis pour rentrer au paradis. Et bien voilà, ils se sont tous... Donc déjà, à ce moment-là, l'argent est rentré. L'argent est rentré dans la religion, on va dire que voilà, mais c'est l'argent qui permettait rentrer des gens au paradis. Est-ce qu'ils sont au paradis maintenant, si le paradis existe ? J'en sais rien. Donc l'argent, c'est quelque chose qui est... c'est un facteur commun dans tout ce que nous voyons. Et ça fait vivre tout le monde. C'est... La religion joue avec ça, avec cet argent. Et plus on a de l'argent, plus on se sent proche de Dieu. Il suffit à un moment donné que c'était comme ça. Donc après, on disait, ben oui, ben non, mais Dieu est pour tout le monde. Oui, mais sauf que ce sont les riches qui pouvaient rentrer. Donc vous voyez, donc, il y a plein de choses qui sont passées. L'argent, c'est quand même quelque chose de vicieux, malin. Comme on revient au football, hein, c'est chose qui est cachée, qui est mal, et qu'on dit oui, ça sert à rien d'avoir plus d'argent. Ah bon, oui, après, il y a des riches qui vous disent c'est pas l'argent qui vous fait de bonheur. Bon, ben, allez dire ça aux pauvres. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas dire que c'est. L'argent, c'est quelque chose de sain. L'argent a rentré dans la vie des gens. Pour les mener, pour guider, pour dire tu as qu'une vie, tu dois vivre et tu vas gagner, il faut que tu gagnes de l'argent.
pour donner à tes enfants. Voilà. Donc, les footballeurs, ben, ils gagnent de l'argent comme, comme vous et moi. Ben, ils gagnent plus que nous, ben, c'est normal, puisque la publicité donne. Il y avait l'autre jour, j'ai eu une discussion avec une maman qui achetait un maillot de foot dans un magasin sportif, il y a 2-3 ans. Elle m'a dit, oh là là, ça coûte cher. Après, elle dit, oh, les footballeurs gagnent beaucoup. J'ai dit, mais madame, mais arrêtez d'acheter le maillot. Pourquoi vous achetez le maillot pour votre enfant? Parce que chaque maillot que vous achetez, il y a un certain pourcentage. Va au joueur, va au club, va à la marque de maillot. Arrêtez d'acheter. Comme ça, il ne touchera pas. Ah ben oui, mais bon, ben c'est pour faire plaisir à mon fils. Et paf, voilà qu'elle tombe dans le panneau. Pour faire plaisir à son fils, elle achète et elle dit en même temps, les footballeurs gagnent beaucoup d'argent. Arrêtez la télé, ne regardez pas. Si pendant la Coupe du Monde, toute la France avait arrêté la télé, clac. Le gain, la perte serait été énorme pour un TF1 qui montrait le football. Ça aurait été une catastrophe. Eh ben non, tout le monde en a allumé la télé. On a regardé. On nous a pas obligés. Et pourtant, on a regardé. Parce qu'il y a une flamme qui est là, qui nous amène, qui dit, on a envie de voir l'équipe de France gagner. Voilà, on a envie de voir ce qui se passe, le voyeurisme. On a envie de savoir ce qui va se passer. Je veux le voir en direct. Je peux très bien écouter à la radio, non, je veux le voir en direct. Donc, il y a quelque chose qui est en nous, que les grandes sociétés savent que les gens, ils ont quelque chose en eux et qu'on peut les attirer. Et ben voilà, ils nous attirent. Et nous, on regarde. On est content de regarder. On a applaudi, on a fait la fête et tout. Et demain, il y a des gens qui diront, ah ben les footballeurs, ils gagnent plus que nous. C'est pas normal que les footballeurs gagnent beaucoup. C'est pas normal qu'ils achètent des voitures comme ça. Eh ben oui, mais bon, il a sa voiture, il n'a pas volé l'argent, on lui a donné. Et il joue. Eh ben voilà. Donc, c'est quelque chose qui est, à mon avis, qui est lié, l'argent, la petite flamme qui est en nous, pas le sport, la religion, tout. Le point commun, comme j'ai dit au tout début, le point commun, c'est l'argent. L'argent est partout. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans argent. On est obligé de faire quelque chose pour avoir de l'argent pour vivre. Donc, il y a des gens qui gagnent plus beaucoup, il y a des gens qui gagnent moins, et ainsi de suite, et on vit avec. Oui, mais le paradis, il faut préciser que l'idée de paradis n'a pas été réservée seulement pour les riches, plutôt pour les pauvres aussi, puisque c'est la plupart des pauvres qui croient en paradis. Oui, ils pensent que, puisqu'ici, ils n'ont pas le paradis, ils vont l'avoir ailleurs. Et ces gens-là, mesquines, ne vivent pas bien. N'est-ce pas? C'est ça, hein? Vous savez, dans l'hindouisme, moi-même, je suis d'origine indienne, ben, j'ai appris l'hindouisme beaucoup plus tard parce que j'étais élevé dans le catholicisme, on va dire. Mmh. Et dans l'hindouisme, on croit à la réincarnation. Mmh. Donc, la vie, c'est un cercle, ça tourne, et hop, on meurt, on revit, on meurt et on revit. Donc, dans l'hindouisme, il y a des pauvres, des pauvres et des mendiants. C'est pas pareil. Le mendiant, on dit souvent que c'est un pauvre, mais c'est pas vrai. Le mendiant, c'est quelqu'un qui a décidé de vivre en mendiant, c'est-à-dire en demandant quelque chose pour vivre. Il ne demande pas de l'argent, il demande quelque chose pour vivre. Il dit,
je consacre ma vie à quêter, à demander quelque chose pour vivre. Tandis que le pauvre, le pauvre a été créé par le capitalisme. Le riche, le pauvre, la classe moyenne, ça a été créé par le capitalisme. Donc, le mendiant, on dit souvent, ouais, en Inde, il y a beaucoup de mendiants. Oui, aujourd'hui, le mendiant, c'est devenu autre chose qu'il était avant. Avant, le mendiant, il vit de sa mendicité. Il a de l'argent, on lui donne quelque chose pour vivre et il vit avec. Il y a des grands entrepreneurs, il y a des hommes riches en Inde, ils peuvent devenir mendiants. Ils disent, je laisse tout à mes enfants, ou bien à quelqu'un, ou bien à une association ou à autre, ou à l'église, ou à temple, et je deviens mendiant. Je vais marcher de temple à temple, je vais demander des choses aux gens qui vont me donner, je vais prier tous les jours pour eux, pour eux, la terre, pour les gens, ainsi de suite. Et bien, ils deviennent mendiants. Donc, ce gars-là, lui, dans l'hindouisme, on ne pense pas tout de suite au paradis, ni à l'enfer. Parce qu'on pense déjà à la prochaine vie. Il dit, si je suis un bon mendiant, je serai quelqu'un de mieux la vie suivante et je vais aider d'autres mendiants. Alors, celui qui est riche se retrouve, celui qui est aisé, on va dire, se retrouve, il dit, je vais aider le mendiant parce que la prochaine vie, je ne dois pas souffrir comme lui. Donc, dans l'hindouisme, il pense à la vie suivante avant de penser à l'enfer ou au paradis. Arrive le christianisme, où au tout début, les chrétiens primitifs, ils pensent, ils croient à la réincarnation. Et ils pensent, ils disent, et plus tard, très rapidement, on dit, non, il n'y a qu'une seule vie. Vous allez naître, vous allez vivre, et vous allez mourir. Après la mort, vous allez au paradis ou à l'enfer. Point final. Et quand vous allez vivre, vous allez faire des choses. Des choses pour faire tourner petit à petit. On arrive sur l'économie pour gagner. Aujourd'hui encore, c'est encore plus dur. On dit, il faut que tu travailles, il faut que tu gagnes, il faut que tu dépenses, il faut que tu économises. Et il faut que tu donnes à tes enfants. Et tu vas mourir. Après ta mort, il n'y a rien. On ne parle pas de paradis non plus aujourd'hui. On dit très clairement le capitalisme, la religion, le christianisme a implanté, a mis en œuvre le capitalisme qui a démarré au Moyen-Âge et qui a dit... Et les gars, arrêtez de vous rêver le paradis ou autre, la prochaine vie ou autre, tout ça, il n'y en a pas. Personne n'a été voir que ça existe ou ça n'existe pas. Aujourd'hui, tu es sur la terre, aujourd'hui, tu dois travailler. Tu dois gagner de l'argent, tu dois donner. Donc, à chaque fois quand quelqu'un travaille, il fait gagner de l'argent à son patron encore plus, et ainsi de suite, ça tourne. Point final. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans argent. Avant, on travaillait, on donnait quelque chose à manger et puis on allait travailler le lendemain. Aujourd'hui, non, il n'y a pas ça. On a tout fermé. On a dit, vous travaillez, vous avez à avoir de l'argent et vous dépensez. Donc, les Français, on a gagné la Coupe du Monde, ça va booster l'économie. 2-3 jours, les gens, ils vont boire, ils vont dépenser un peu plus l'argent dans les cafés et autres. Ça va booster un petit peu. Bon, après, on va attendre la suite. Merci Antoine, je te remercie beaucoup. C'était Antoine sur notre antenne. Merci, au revoir et bonne soirée Antoine. Merci, ciao. Ciao. Et vous écoutez votre radio ici et maintenant sur 95.2.
FM, alors il y a question de football, il y a question de politique, aussi il ne faut pas l'oublier, il y a la question politique, surtout que le nouvel ordre mondial aussi est en train de changer, c'est-à-dire il y a une union forte entre l'Amérique et la Russie et l'Israël, et les trois pouvoirs mondiaux se sont réunis, et l'Iran qui pensait que la Russie était à son côté. Il a hauteur, puisque la Russie a abandonné l'Iran en faveur de Trump. Et de l'autre côté, Israël, vous savez, la semaine dernière, Benjamin Netanyahu était... Je vais vous donner un secret ce soir. Un secret tout un coup. Écoutez bien ce secret. C'est très intéressant ce secret-là que je vais vous donner ce soir. Benjamin Netanyahu était en, en Russie. Et en même temps, représentant de guide spirituel iranien aussi, Velayati était là. C'est là pour la première fois que l'Iran a négocié en présence de Poutine avec Israël, en cachette, de ce que je viens de vous dire. Seulement vous avez entendu que les deux en même temps étaient en Russie. Mais personne n'a pas dit qu'ils se sont négociés. Et l'Israël, par le biais de la Russie, il va donner des outils, des usines pour purifier l'eau potable iranienne. Et sur d'autres choses aussi, ils sont en train de se mettre d'accord. Mais je veux voir que vous, qu'est-ce que vous en pensez. Vous avez la parole, mes chers amis, et je vous écoute. Bonsoir, comment vous appelez-vous? Oui, salut, c'est Farid. Ah, c'est Farid. Bonsoir Farid, comment va Farid? Bonsoir David, ça va, merci. Alors Farid, tu es content de football? Moi, j'en ai rien à foutre. Ah bon? Moi, j'en ai rien à foutre. Tu n'as même pas regardé à la télé? Ouais, j'ai regardé deux minutes, c'est tout. Ah, d'accord. Ça m'énerve. Ça m'énerve, ils ne jouent pas bien. Et quand même, ils sont champions du monde. ouais, mais ils ont triché. Comment ils ont triché? Ils ont acheté des Croates. C'est vrai? Oui, bien sûr, j'ai entendu ça. Comment ils ont acheté? Ils ont donné un peu d'argent pour les Croates, ils ont besoin d'argent. Hein? Ils ont dit, vous nous laissez gagner, ils ont laissé. Mais comment? Nous avons regardé, le but c'était les buts. Non. Tu sais, il y a combien de matchs truqués, ça existe, non? Ah bon? Bien sûr, t'es pas au courant. Qu'est-ce que tu as entendu? Non, à ce sujet-là, vous avez entendu quelque chose? T'as rien compris au football alors. On n'est pas les règles du football. Si c'est pas tout ça, c'est du business, ça, c'est de la merde. Tu te rends pas compte. Nous, on a du mal à joindre les deux bouts pendant qu'ils gagnent des millions. Tu crois que les publicitaires, la FIFA, tout ça, tu crois que c'est pas la mafia ça? C'est pas la première fois qu'il y a des matchs truqués. Hein. Ah, Bernard Tapie, on ne va pas l'oublier son histoire. Eh ben, il n'y a pas que Tapie, il y en a d'autres. Il hein. Y en a qui sont attrapés, il y en a qui ne sont pas attrapés. Ouais. Même Platini, il était mouillé. Platini, il a été mouillé avec le Qatar, et avec son fils et tout ça. Ouais. Il y a beaucoup d'argent. Là où il y a de l'argent, il y a de la corruption, toujours. Maintenant, moi, je dis ça parce que je blague un peu. Hein. Mais en réalité, ça m'énerve. On parle de football tous les jours depuis deux mois. On va nous casser des bonbons. Mais les gens, ils sont contents, Farid. Plus de millions de gens sont très contents. Mais c'est tous les abrutis qui sont contents. Les abrutis, demain, il va ouvrir son frigo, il n'y a rien dedans, et il va être content. Hein? Ça. Mais je ne comprends pas. Moi, j'aime le foot. Moi, je suis un ancien sportif. Maintenant, je ne suis plus. Hein. Footballeur? Tu étais footballeur? J'étais un très très bon footballeur. Ah bon? Mais alors, tu trichais aussi? On pouvait t'acheter à l'époque? Non, moi, j'étais le premier de mon école. J'étais le premier en tous les sports. J'étais le meilleur. Voilà, je te jure, c'est vrai. Et on m'a demandé de rentrer dans une équipe. Et moi, quand j'étais gamin, mon père, il m'a dit, ça va pas, non? Au lieu d'aller faire des études, toi, tu vas aller jouer au ballon. Les gens, ils font des études et toi, tu joues au ballon. Mais ils gagnent bien leur vie, ces gens-là. Oui, mais à l'époque, c'est vieux. Moi, je ne suis pas jeune. Hein. Mais moi, par contre, j'ai fait de l'alpinisme. Moi, je n'ai pas gagné d'argent. Hein. J'ai fait pour le plaisir du sport. J'ai fait des marathons. J'ai fait des Olympiades. Ah. Des Jeux Olympiques avec les éclaireurs de France au lac d'Annecy.
À Saint-Jorioz, exactement. Mais il y a longtemps, hein, j'étais jeune, beau et intelligent à l'époque. Mmh. Maintenant, je suis un vieux con. J'ai mal au dos, j'ai mal partout. Je peux plus faire le sport maintenant. Mais d'ailleurs, moi, j'ai travaillé dans le bâtiment, donc j'ai fait beaucoup de sport. Hein. Je montais sur les toits. Bien sûr, bien sûr. Je montais sur les poutres, sur les toits. Enfin bref, j'étais un alpiniste, j'ai fait de la corde à nœuds. Moi, je ne vais pas raconter ma vie parce que ça va paraître un petit peu... Non, tu peux raconter, hein. Tu peux raconter ta vie. Non, je suis plutôt un sportif, mais avec le, comment on appelle ça, le côté, le dépassement de soi, c'est-à-dire le sport gratuit, pour le plaisir, pas pour le pognon. Maintenant, quand le pognon s'est mis dedans, ça a retiré un petit peu l'esprit du sport. Tu sais, l'esprit du sport, c'est un état d'esprit. Le sport, on peut faire du sport en étant généreux, en étant bienveillant, en étant fair-play, correct. Et quand on perd, on ne fait pas la gueule, on ne fait pas le mauvais joueur. Ça, c'est un esprit de sport. Maintenant, on fait du sport pour gagner de l'argent, c'est plus la même chose. Parce que l'argent a pourri l'état d'esprit. Ça reste quand même du sport malgré tout. Hein, je ne dis pas que les footballeurs, c'est pas des navets, hein, c'est des bons joueurs. Mais à cause de cet esprit, ça me dégoûte. Je suis pas jaloux, hein. Je ne vais pas chercher à avoir des millions, même si je voudrais bien les avoir. Je me compare pas. Mais je trouve que les politiciens, les médias, les publicitaires, la FIFA, les entraîneurs, tout ça, ça sent le pourri, ça sent mauvais, ça sent mauvais. Donc ça retire l'intérêt du sport. Le sport, moi, ça devrait être du sport amateur, ça ne devrait pas être professionnel, comme les Jeux Olympiques. Ça, c'est du sport. Tu le fais gratuitement, bénévolement. Ça, oui, ça s'appelle un esprit sportif. Moi, quand je courais le marathon, j'avais rien au bout. Je courais pour le plaisir et puis pour le fait de dire j'ai fait quelque chose que pas tout le monde peut faire. Quand je faisais, je sais pas moi, un combat avec un ami, quel qu'il soit, tu sais, du catch, du judo, c'était pas pour gagner de l'argent, c'était pour dire voilà, on se mesure les uns contre les autres. C'est le plaisir. Il y a un côté un peu... C'est pas de l'orgueil, hein. C'est le dépassement de soi. Tu comprends? Quand tu montes au sommet d'une montagne, moi, j'ai fait de la cordée, hein, sur les glaciers. Quand tu fais de la montagne, que tu arrives en haut, tu es content, mais on te donne pas une prime, hein. Tu le fais pour le plaisir. Ça, c'est du sport. J'ai fait des courses de canoë-kayak, sur le lac d'Annecy. Mais il y a longtemps, bon, ben maintenant, ça y est, je suis un vieux croulant, j'ai mal partout, j'ai été opéré du dos, enfin bref, on vieillit, hein. Mais moi, c'est le boulot qui m'a tué, moi, c'est le travail. Je portais des charges lourdes, comme en bourricot, et puis voilà, maintenant, je paye, aujourd'hui, je paye. Mmh. Et en travaillant, et je ne travaillais pas pour le plaisir, je travaillais pour gagner de l'argent, je travaillais comme un âne. Des gens, quand ils portaient un truc à deux, moi, je le portais tout seul, mais aujourd'hui, je paye tout. Tu as raison, non, parce que c'est vrai, les gens qui travaillent dans le bâtiment, par exemple, ou dans le métro, tramway et tout ça, nous pourrons constater que ces gens-là, s'ils travaillent 8 heures, ils travaillent comme 80 ou 100 heures, par rapport à quelqu'un qui ne fout rien, ça t'a tout à fait raison. Et en plus, ces gens-là, à mon avis, hein, ils doivent aller en retraite, même après 15 ans de travail. Parce que le travail qu'ils font, les gens de bâtiment et de construction, c'est vraiment douloureux. Hein. Quand on est jeune, on ne le voit pas, on ne comprend pas. Mais comme tu viens de dire, quand on dépasse les 40, 50 ans, c'est là qu'on peut apercevoir qu'on a mal au dos, mal aux jambes, et moi, tout j'ai ça. Travaillé en plein hiver, avec la neige, je continue à travailler, tu sais, pour gagner de l'argent, tu sais, pour dire à mon patron, voilà, je te fais gagner de l'argent, tu vas mieux me payer, je travaillais. Il neigeait, je mettais une bâche sur le toit et je continue à travailler. Au lieu d'arrêter, normalement, on peut être en intempérie, moi, je continue à travailler. J'étais con. J'ai rien gagné de plus. Hein. Par contre, j'ai perdu ma santé. Même hier, tu avoues, les footballeurs avec le président, ils ont travaillé sous pluie, hein, hier. Hier. Tu avoues comment il pleuvait? Hier, j'ai vu tous les gens dans la rue, les klaxons, les machins, les bistrots, tout le monde était bourré, des accidents.
les trucs. Oh là là, je dis, mais ils sont cons, c'est pas possible. Bon, on a le droit d'être content, mais on dirait que c'était la libération de la France, les nazis ont quitté la France. Je te jure, si demain, la France était envahie par les Allemands, par les Russes, par n'importe qui, et puis qu'on finit par gagner la guerre, ils ne vont pas être aussi heureux que ce footballeur. On dirait qu'ils sont devenus fanatisés, mais tu sais pourquoi? Parce que les 80%, c'est des moutons. Parce que les médias, ils en parlent du matin au soir, tous les jours, toutes les radios, toutes les chaînes, tous les machins. Et les gens, ça leur rentrait dans leur tête. C'est pas possible. Alors, je dis, mais c'est pas possible d'être con comme ça. Même mes enfants, ils adorent ça. Et je dis, mais vous êtes des cons aussi, vous. On dit, non, papa, tout le monde aime ça. Je dis, alors, parce que tout le monde aime ça, toi, tu vas aimer. Je dis, c'est bien d'aimer un peu, mais pas au point de... Il y a des gens qui ont resté jusqu'à 2-3 heures du matin, le lendemain, ils n'ont même pas été bossés. Ils ont perdu une journée, tout simplement, pour des conneries comme ça. Il y en a qui ont payé leur place, là-bas, à Moscou, 2500 euros la place. Et le mec, il va arriver, il va prendre un crédit pour manger. Qu'est-ce que... C'est pas possible. On a le droit d'avoir des hobbies, des trucs, bon, des petits dépassements, mais là, je crois que c'est un peu exagéré. Parce que moi, ce qui m'énerve, c'est les médias. Le foot. L'esprit, machin, les trucs, l'équipe de France. Moi, j'aime la France, hein. Et je suis content que la France ait gagné. Mais je ne vais pas aller jusqu'à 2 heures du matin à me bourrer la gueule. Et, enfin, bref. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe. Ou alors, je suis un imbécile ou un con. Peut-être que je suis un con, c'est peut-être moi con. J'en sais rien. Non, tu ne penses pas que quand même les gens, ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin de d'être joyeux, d'être dans la rue. Dans la rue, comme un enfant, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de jouer. Oui, et les grands aussi sont la même, toujours on est comme des enfants. On a besoin de jouer. Oui, je suis d'accord. Je pousse un peu le bouchon. Pour le parler de ces gens-là, ils savent que c'est rien du tout, mais ils vont se montrer joyeux, tu comprends? Crier. Oui, contre la fête, moi j'aime la fête aussi, moi j'aime bien la fête. Mais là, je trouve que les médias, tellement qu'ils font de tapage, j'ai l'impression que c'est les médias qui leur disent le football, c'est plus important que tout dans le monde. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde, ils ne vont même pas s'intéresser. Et si les médias leur en parlent du matin au soir, ils vont finir par s'intéresser. Parce que c'est le bourrage de crâne. C'est un petit peu, c'est le travail des publicitaires. Hein. On leur dit, voilà, tel produit, il est à la mode, des patati, patata, du matin, midi, matin, soir, toutes les heures. Au bout d'un moment, les gens, ça marche. Hein. Ça marche dans la tête des gens. Hein. Enfin, bref. Maintenant, pour ce qui est de la politique, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Là, tu as dit qu'il y avait une organisation, enfin une réunion avec Poutine, Netanyahou, et je sais pas qui, la Trump. Trump, mais non, représentant de guide spirituel iranien, la République islamique d'Iran. Il est en train de négocier, il a négocié avec Israël en Russie. Ah bon? Ali Akbar Velayati, l'ancien ministre des Affaires étrangères iranien. Il était là-bas, en même temps Benjamin Netanyahu aussi était là-bas. Ils ont négocié sur plusieurs points en faveur d'Israël, et politiquement et en faveur de Poutine économiquement. Iran en payant 50 milliards de dollars de contrats. Alors là, si l'Iran s'est mis d'accord avec Israël, alors qu'Israël a dit qu'il faut faire la guerre contre l'Iran, et l'Iran a dit qu'Israël, c'est notre ennemi numéro un. Aujourd'hui, ils se mettent d'accord. Moi, je suis surpris. Hein. Parce que dans la région, là-bas, l'ennemi numéro un d'Israël, c'est l'Iran. Et l'ennemi numéro un de l'Iran, c'est Israël et les États-Unis. Aujourd'hui, ils vont se mettre d'accord. Et ben, moi, je suis pas d'accord. Pourquoi? Tu n'es pas d'accord pour la paix? Non, je ne suis pas pour la paix, moi. Tu vois qu'Israël, il aura toujours des ennemis là-bas. Non, moi je suis pas d'accord. Non, et les pauvres Palestiniens, ils sont les dindons de la part là-dedans. Les seuls qui arriveraient à faire peur à Israël, je parle pas des Israéliens, je parle du gouvernement. Hein. Les Israéliens, j'ai rien contre les peuples, quels qu'ils soient. C'est des gouvernants qui décident, malheureusement, le peuple n'est pas issu, même s'il n'est pas d'accord. Mais je trouve que
l'État d'Israël, le gouvernement israélien, je ne parle pas des Israéliens, ni des Juifs, chacun a le droit d'avoir la religion qu'il veut, il est respectable. Et les citoyens israéliens, qu'ils soient juifs, croyants, pas croyants, je n'en ai rien à foutre, c'est des êtres humains. Mais le gouvernement israélien, pour moi, c'est quelque chose d'horrible. Farid, tu m'as dit que tu as fait une opération au dos. Oui, oui. Tu sais que le progrès vient d'Israël? L'œil, si demain tu fais une opération de l'œil, ça vient d'Israël. Ouais. Si tu fais une opération cardiaque avec le laser, l'intervention de laser, ça vient d'Israël. Mais écoute-moi. J'ai dit, je n'ai rien contre les Israéliens. Tu as compris ça? Je ne suis pas contre ni les Israéliens ni les Américains. Je suis contre les gouvernants. C'est là que tu... Mais ces gens-là, ils aiment leur gouvernement. Pour eux? Non, c'est pas vrai, il y a des opposants. Que l'opposant? S'il y a une minorité d'opposition, le gouvernement... Non. Moi, je les gens, ils aiment leur gouvernement, là. Ils représentent le peuple, la majorité du peuple. Écoute-moi, David. Je ne suis pas contre un peuple. Je suis contre certains qui gouvernent et qui font du mal aux autres. Parce que ils ont beau, bien entendu, comment on appelle ça, des Israéliens en médical, même en technologie, ils sont extraordinaires. Ils font du bien aux hommes, puisqu'ils arrivent à faire des recherches bénéfiques pour le monde entier. Ça, je le reconnais. Et je les salue. Ça, je suis d'accord. Maintenant, entre ces gens-là qui font du bien et ceux qui font du mal, il y a une différence. Parce que c'est pas parce que... il y a des gens qui font du bien que les gouvernants sont bien. Moi, je suis algérien, j'aime les Algériens, mais j'aime pas mon gouvernement. C'est des voleurs, des arnaqueurs. Est-ce que tu voyages vers l'Algérie, tu veux, de temps en temps? Oui, bien sûr, je voyage. Mais tu n'as pas peur de critiquer le gouvernement? Tu n'as pas peur? Si, j'ai peur, bien sûr, j'ai peur. Alors, s'il nous attend ce soir, demain, tu vas avoir des problèmes. Oui, mais moi, je change de prénom quand je vais là-bas, c'est pas le même prénom. Mais il te connaît! Non, mais je sais qu'il me connaît. Il te connaît. Maintenant, tu sais, Farid, tu sais maintenant, ouais, quand tu parles, tu es identifié. Quand tu marches, tu es identifié. Tu le sais ou non? Tu le sais ou non? Ouais, non. Voilà, je ne plaisante pas. Hein. Non, je sais, oui. Alors, on est espionné partout. Non, c'est pas espionné, c'est le progrès. C'est-à-dire, maintenant, tu descends dans n'importe quel aéroport du monde, et dès que tu descends, on prend ta photo, à partir de ta photo, tout de suite, on a toutes les informations sur toi. Ouais, alors on peut rien... Reconnaissance faciale. Oui, j'ai entendu ça ce matin aussi à la radio. Ça a existé depuis des années, moi je le connaissais depuis des années. Oui, mais là, ils veulent le faire, je crois que c'est, je sais pas si c'est Google ou je sais pas qui voulait faire ça. Non, autre chose, tu n'as pas entendu, Farid. Avant-hier, non, 14 juillet, sur Champs-Élysées, ils ont envoyé des drones. Ouais. Ils ont identifié la totalité des gens qui étaient présents sur pour le 14 juillet. Mais hier soir, il n'y avait rien de grave. Les gens, ils sont là pour faire la fête. Non, je te parle de 14 juillet, la fête nationale. Ouais, mais de toute façon, quand écoute, il y avait... Tu sais, écoute-moi, David, quand tu sais que tu vas être identifié par un drone, par une caméra, tu peux te maquiller, tu peux mettre des moustaches, tu peux mettre une barbe. Moi, quand je sors dans la rue, j'ai une barbe. Ah, tu es barbu? Tu es barbu? Quand je rentre chez moi, je l'enlève. Non, c'est-à-dire toutes les caméras, écoute-moi, toutes les caméras qui m'ont photographié avec une barbe ou des moustaches. Et je rentre chez moi, je n'ai ni barbe ni moustache. Mais tu n'es pas un malfaiteur, tu n'as pas peur d'être identifié, mais... Non, je ne suis pas un malfaiteur, mais je me méfie, moi. Je suis un paranoïaque, je me méfie. Non. C'est les gens qui ont quelque chose, ils doivent avoir peur. Toi, tu es un type honnête et bien, tu n'as pas peur, toi. C'est pour ça que je veux dire à tout le monde, si vous n'avez rien à cacher, pourquoi vous voulez avoir peur d'être identifié? Tu comprends? Il ne faut pas avoir peur, voilà. Et puis même, tu sais, tous les gens qui vont nous photographier, là, tout ça, eux aussi, on peut les photographier aussi, hein, de toute façon, pareil. Tout le monde surveille tout le monde maintenant. Ah, voilà. Mais par contre, ceux qui ont de l'argent dans les paradis fiscaux, là, ils n'arrivent pas à les attraper. Non, ils sont protégés.
Alors les banquiers sont protégés. Est-ce que tu trouves que c'est normal, ça? Ah non, non. Toujours, je te dis, il faut faire un combat contre les banques. Alors, on peut contre les banques. Le pauvre imbécile comme moi, hein, qui a du mal à tirer jusqu'à la fin du mois, moi, je vais être identifié parce que je dis que ça va pas, pas normal. Et le mec qui cache des milliards à l'étranger, lui, il est honnête. Lui, il passe pour quelqu'un de bien. Alors bon, il ne faut pas parler que d'argent, il faut parler de justice. Moi, j'en ai rien à faire qu'il y ait des gens qui ont plus d'argent que moi. Mais je trouve que c'est ceux-là qui vont nous donner la morale. J'accepte pas la morale de ces gens-là, moi. Moi, j'accepte pas la morale de ces gens-là. Celui qui veut me faire la morale, il faut d'abord que lui soit propre. Tu sais, des gens avec leur costume, cravate, très poli, qui parlent bien, ils parlent pas comme moi. Moi, je dis, fais chier ta gueule, connard. Et ils parlent pas comme ça. Ils font des mots avec des phrases bien, avec du vocabulaire et tout. C'est les pires. C'est les pires, ceux-là. Ils sont très éduqués, ils sont très polis. Et comme on dit, ils sont trop polis pour être honnêtes. Le pauvre connard qu'on rencontre dans le métro, comme moi, qui est un peu mal habillé, qui parle un peu d'une manière vulgaire, qui braille un peu, lui, tu sais, tu risques rien avec lui. C'est les mecs en costume, cravate, ils sont très intelligents, c'est ceux-là les plus dangereux. Ceux-là, oui. Ceux-là, ils vont te faire endormir debout. C'est des hypnotiseurs. Mmh. Moi, je suis révolté. Moi, je suis pour la classe ouvrière. Et je voudrais qu'ils arrêtent de nationaliser, de privatiser tout. Aujourd'hui, hier, j'ai reçu un recommandé. Mmh. Linda. Et le facteur, il n'est même pas monté à la maison. C'est pas la première fois. Mmh. Je vais à la poste pour chercher mon recommandé. Le type qui est à la poste, il me dit, monsieur, c'est pas ici, maintenant, c'est dans un point. C'est un Franprix qui va vous donner votre lettre commandée. Tu te rends compte dans quelle société? C'était un colis ou lettre commandée? Linda, qu'est-ce que tu en penses, Linda, à ce sujet-là? Allô, Linda? Une lettre commandée. Seulement lettre recommandée? Comment? Seulement lettre recommandée, ce n'était pas oui, un colis? Oui, une lettre commandée, oui, oui. Ce n'était pas un colis? Non, non, c'est une lettre, une lettre. Il te l'envoyait où? Je dis normalement, ils te mettent. Normalement, le facteur, avant, il montait à la maison. Mm. Si t'es pas là, il te laisse un avis. Mm-hmm. Maintenant, il monte même pas. Il fait comme si qu'il est monté alors qu'il n'est pas monté. Mm. Et puis, donc, tu veux, je prends mon avis, là, je vais à la poste. Je fais la queue pendant un quart d'heure. Il y avait ça tourne. J'arrive au guichet. Monsieur, c'est écrit, c'est pas ici. Il faut aller au point de distribution, un point relais, c'est un magasin Franprix, vous allez là-bas. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel-là? Et avant, la poste, c'était un service public, maintenant, ils vont diminuer petit à petit, ils vont tout privatiser. Et c'est-à-dire, c'est la loi du pognon, il n'y a plus rien qui est commun. Tout est privatisé, c'est la loi du pognon. Et ça va pourrir tous les esprits, comme le football. Avant, il y avait du football, il y avait du rugby, il y avait tous les sports. C'était bon, il y a un peu d'argent, c'est normal, les gens, ils font du football, et pendant ce temps-là, ils ne travaillent pas, il faut qu'ils soient payés. Mais quand tu vois tout le merdier, toute l'arnaque, la publicité, le truc qui est autour, avec des millions, ils vendent un joueur, ils achètent un joueur, ils en vendent un autre, et pas ça de plus. Mmh. Et tous les scandales, Linda, les magouilles qu'il y a. Oui, je me dis, on est dans un monde de plus en plus. Oui, bonsoir. Tu es sur l'antenne. J'ai un problème avec le téléphone, je crois. Oui, non, ça va. C'est Farid, nous avons Linda avec nous. Linda, bonsoir. Bonsoir, Linda. Bonsoir, monsieur Abbassi, partout. Bonsoir. Farid, toujours là? Oui, je suis là, oui, mais je suis un peu loin, mais bon. Allô? Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Ah là là, oui, je t'entends, mais je ne sais pas si tu m'entends. Vous m'entendez? Je vous entends, mais très peu. Farid est toujours là. Ben écoutez, moi, je vais vous écouter à la radio parce que sinon on ne va pas s'entendre. C'est oui, pas Farid, possible. Oui, je vous entends. Farid, c'est Linda. Vous m'entendez? Excusez-moi. Je peux vous poser une question? Oui, oui, oui. Oui, je voudrais juste savoir, enfin, par curiosité, pourquoi lorsque vous intervenez dans la radio communautaire, vous appelez Méziane, n'est-ce pas? Mais écoute, Farid, écoute alias Linda. Méziane. Et lorsque vous appelez... Écoute, Linda, Linda, vous appelez Linda, tu m'entends? Oui, je allô? T'entends.
Oui. Allô, allô, Linda. Oui, j'entends. Je crois que c'est pas bien ce que tu fais là. Non, ça t'avance à rien. Taper sur les radios communautaires, sur les juifs, tous les jours. Ouais. Écoutez, moi je trouve ça pas, c'est pas normal. Vous appelez France Maghreb 2, vous tapez sur les juifs. Vous appelez tous les jours Beurre FM. D'ailleurs, c'est pour ça que vous intervenez après minuit. Après avoir écouté Beurre FM le soir, vous appelez Radio ici maintenant. Vous tapez sur les juifs et arrêtez. Laissez les juifs tranquilles. Jamais j'ai tapé sur les juifs. Jamais de la vie. Tu vois, vous tu dis n'importe pas. Quoi. France Maghreb 2, votre copain là. Tu dis non, tu dis n'importe quoi. Tu dis absolument c'est n'importe quoi. Vous, il n'arrête pas de taper sur les juifs. Écoute-moi, Linda. Tu dis. Il faut tout pas écouter. Ben justement, M. Abbassi parlait de tout ce qui vient d'Israël, alors que l'animateur lui-même de France Maghreb 2, l'émission Le Grand Forum, Christophe Froh, il appelle au boycott des laboratoires juifs, en l'occurrence les laboratoires Teva, les dates d'Israël, enfin tout ce qui est juif, il ne faut pas écouter. Et vous, vous n'arrêtez pas de taper sur les juifs. À chaque fois que vous intervenez, c'est pour taper sur Israël, Israël, Israël. Vous ne croyez pas qu'on en a marre, hein? Excusez-moi, mais moi, c'est malhonnête de votre part. En plus, vous appelez Méziane. Vous parlez de votre femme. Vanessa, elle demande à chaque fois des nouvelles de votre femme. Hein, n'est-ce pas? Et là, vous venez sur Radio ici maintenant, comme si rien n'était. Mais vous avez une double personnalité. Je me permets, parce que déjà, il y avait une auditrice qui l'avait signalé à David Abbassi. Vous intervenez dans toutes les radios communautaires. Et le soir, après minuit, vous intervenez sur Radio ici maintenant. Moi, je trouve que c'est malhonnête de votre part. Libre à vous d'intervenir, mais arrêtez de taper sur Israël. Nous sommes d'accord? Voilà, Linda, malheureusement, quand on parle de Kobsé, Farid, il nous quitte, il nous a quittés, mais il est en train de nous écouter. Mais je suis très ravi d'entendre, Farid, que tu vas aller sous les autres antennes aussi. C'est sur France Maghreb 2, Beurre FM, c'est pour ça qu'il intervient à chaque fois après minuit, parce qu'il écoute Beurre FM jusqu'à minuit, ça finit à minuit. Après, il intervient après minuit sur Beurre FM, et s'appelle Méziane. Tout le monde sait qu'il s'appelle Méziane. Il vient sur France, sur Radio ici maintenant, c'est Farid. Ah bon? Et il part de sa femme, c'est Mona, je crois qu'elle s'appelle Mona. Vanessa de Beurre FM lui demande, elle va bien Mona? Oui, ça va. Elle me casse les pieds. Elle me casse la tête et tout. Et là, bon, il faut arrêter. Enfin, moi j'en ai marre. Moi j'ai mes amis qui quittent, mes amis français et juifs qui quittent justement la France. Là, j'ai encore un couple qui part. Là où Lila, j'ai un couple la semaine dernière qui s'est fait encore braquer, agresser par le... Ils se sont encore fait agresser, ça suffit, il faut arrêter. Et Farid, alias Méziane, il n'arrête pas de taper sur Israël. Il faut qu'il arrête. Pour ça, j'ai laissé faire, j'interviens de moins en moins, parce que je trouve que Radio ici maintenant, ça devient un peu... Il faut intervenir, Linda, c'est ça le problème. C'est-à-dire, vous devez intervenir. L'information que tu nous as donnée ce soir, c'est très important. Oui. C'est-à-dire, moi, toujours, j'avais dit à Farid... Il y a plusieurs mois. Elle vous avez signalé que Méziane, alias Farid, ou Farid, alias Méziane, parce que son vrai prénom, c'est Méziane, il intervient dans toutes les radios communautaires, à savoir France Maghreb 2, où l'animateur, il appelle au boycott... surtout, il dit bien, mettez un autocollant sur les cartes vitales, comme quoi vous refusez donc tous les laboratoires Teva. L'animateur lui-même, il signale les boycotts à faire, il signale de boycotter tous les fruits, de faire attention aux têtes, que bon, il y a même des primeurs maghrébins qui arnaquent les maghrébins, que bon, ouais, il faut tout boycotter avec eux. Ils sont organisés alors, c'est-à-dire... Linda. C'est l'animateur lui-même qui est dans les informations. Non, on ne va pas parler d'autres à dire, mais les gens, les individus, ils sont bien organisés. Alors, c'est pour ça que toujours, j'avais dit, l'islamisation du pays aussi, c'est organisé. C'est un combat organisé. Et l'Israël, il est de l'autre côté du monde.
Oui, oui, Israël, il est de l'autre côté du monde. Et pourtant, tous les progrès que vous avez ici, que vous profitez, qu'ils soient de radiologie, de soins, n'importe où, ça vient de là-bas. Tous les progrès que vous avez dans votre smartphone et tout ça, ça vient de là-bas. Et là-bas, eux-mêmes, les Palestiniens, ils ont des problèmes. Par exemple, moi, je vais vous dire quelque chose. Imaginez-vous, actuellement, qu'on est en train de faire la paix avec tous les pays, le monde entier a reconnu l'Israël comme un État, le monde entier l'a reconnu. Alors, vous voyez, il y a on lance des missiles. Il y a des photos que, si vous pouviez voir, on aura vous montrer les photos qui viennent de l'autre côté. Et quand on lance les missiles, les gens ne peuvent pas dormir, ne peuvent pas aller faire le travail quotidien. Mais de côté palestinien, depuis toujours on avait dit, les Palestiniens eux-mêmes, quelques millions, après plusieurs mouvements, jamais ils n'ont pas pu se mettre d'accord, avoir une comité central unifié pour pouvoir aller négocier. Jamais. Une fois qu'on se met d'accord avec Hezbollah libanais, puisqu'actuellement Israël, ils se met d'accord avec Hezbollah libanais, avec l'Iran, ça y est, ils sont en train de se mettre d'accord. Mais tout d'un coup, vous voyez les missiles de Hamas, les missiles de djihad islamique, et tous ces missiles-là, ça continue la guerre. Et l'idée de certains, aussi ici et maintenant, en France ou ailleurs, que vous êtes tellement loin, que vous ne connaissez pas le problème, seulement puisque vous êtes antisémite, vous êtes anti-juif, seulement cette jalousie, et ça vient de la jalousie, hein, c'est-à-dire il n'y a pas d'idéologie à part de la jalousie, puisque cette jalousie, il vous ramène toujours de créer des choses et avoir plusieurs visages. C'est vraiment grave, c'est vraiment grave. C'est pour ça, Linda, je vous conseille, à toi et tous les autres, de venir intervenir, qu'ils soient sur notre antenne ou ailleurs, dès que vous voulez parler, dialoguer avec ces gens-là. Il faut dialoguer avec ces gens, il faut parler. Regarde, dès que tu as dit quelque chose, il est parti. Oui. Je fais des signalements quand je fais des signalements parce que là, que ce soit l'animateur lui-même, parce que c'est des appels à la haine. Après, on s'étonne que les Juifs français se font massacrer quand dans les radios communautaires, ils font des appels à la haine. C'est constamment. Là, Gaza, c'est une prison à ciel ouvert et on torture les Palestiniens et on fait ça. Ça n'arrête pas, c'est lourd à la fin. C'est lourd. Alors que là, Méziane, il arrive. Souvent, il intervient le lundi soir, alors que bon, quand je suis de repos, j'écoute pour voir ce qui se dit sur Israël, alors que l'après-midi, il est intervenu sur une radio communautaire. Pour taper sur qui ? Pour taper sur les Juifs, comme d'habitude. Alors, Méziane, si vous m'entendez, arrêtez de taper sur les Juifs. Ça suffit. On arrête. Parce que là, les Français juifs, ils sont tous en train de partir de la France. Il va nous rester que des communautés. Enfin, Français juifs et Français tout court, ils quittent la France. Hein. Il faut arrêter. Moi, je ne suis pas juive, mais bon, j'en ai marre qu'on tape toujours sur les juifs. Hein. Enfin, Français juifs ou juifs tout court. Hein. Ça n'arrête pas. Alors, la jalousie, oui, vous avez raison, David. Moi, là, le week-end dernier, j'étais pense. Moi, je suis encore dépendante que le week-end. Même au travail, on me parle. Mais c'est les Juifs qui commandent le monde. C'est les Juifs ci, c'est les Juifs ça. Je dis, oh, c'est un commis de la cuisine hein, qui me parle de ça. Je dis, oh, tu t'es, hein, ça va. Tu t'es fait retourner le cerveau par les Maghrébins, toi. Hein. Parce que là, c'est que, bon, malheureusement, les Maghrébins, ils ont la tchatche. Et ça, les Français, ils n'ont pas. En deux minutes, ils leur retournent le cerveau, puis voilà. Il y a la jalousie, il faut arrêter. Tout le monde ne peut pas avoir l'intelligence des Israéliens, ça c'est clair et net. Enfin, des Juifs, c'est clair et net. Hein. Mais bon, si ces personnes ne sont pas intelligentes, ce sont un culte. C'est quand même pas la faute des Juifs. Les Juifs, ils travaillent, et c'est ça ne tombe pas du ciel. Hein. Moi, je vois là, vous m'entendez, David? Oui, Linda. David, oui, oui, oui. Moi, je donne un exemple souvent. Là, la première fois que Trump est allé en Israël, ils ont tout bouclé à Tel Aviv. Tout a été bouclé. Les enfants, ils n'avaient pas accès aux écoles. C'est ce qu'ils ont fait, les enfants, pour pouvoir être présents à l'école le lendemain de quand Trump est arrivé en Israël. Non, oui. C'est ce qu'ils ont fait, les enfants. Ils sont partis la veille de chez eux pour pouvoir assister à leurs cours.
le jour où Trump était en Israël. Ils sont partis la veille. Ça sera en France. Ah, c'est bien, on ne va pas à l'école. Vous voyez, ils veulent savoir, ils veulent apprendre. C'est quand même admirable. Moi, j'admire des gamins comme ça, je les admire. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas avoir accès, tout était bouclé. Ben, ils partent la veille pour pouvoir être présents, ben, le jour de enfin, la présence de Trump, pour pouvoir être présents à leur cours d'école. En France, ça ne risquerait pas d'arriver. En France, ils seraient contents de ne pas aller à l'école. Donc, il faut arrêter. Enfin, moi, ça me sature tout ça. Puis, bon, ben, comme beaucoup de Français, moi, je vous ai déjà dit, moi, dans quelques années, je quitte la France. Moi, mes amis quittent la France, moi, je quitte la France. Donc, faut arrêter. Mais là, mes amis, là, ça fait plusieurs fois. Ça me démangeait, et c'est pas possible. En plus, si vous lui parlez que, ah non, on te reconnaît, de toute façon, maintenant, on est tous filtrés, on est tous surveillés et tout, même avec une fausse identité et tout. Il faut qu'il arrête, parce que bon, radio communautaire, c'est Méziane, radio aussi maintenant, c'est Farid, quoi. Merci, Linda, merci. Merci. Voilà, David, je vous remercie, je vous dis à bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Alors, mes chers amis, vous savez, une chose que je veux vous dire, et ce que vous avez la parole sur 95 FM, mettez de côté la jalousie. L'antisémitisme, c'est la jalousie. Ça sort de la jalousie, c'est tout, point final. Si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas de boulot, si tu n'as pas ça, puisque tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas, il faut travailler. Il faut travailler. Je veux vous parler de la dernière invention qui était annoncée hier, le 15 juillet. Dernière invention. Votre cerveau va être connecté à l'ordinateur. Vous êtes handicapé total. Vos mains, vos pieds ne bougent plus. Même pas, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez plus parler non plus. Moi, j'avais deux amis qui étaient tombés. Un, il avait fait un accident de vélo. L'autre, il était tombé de l'arbre. Un, c'était aux États-Unis, à Los Angeles. L'autre, c'était en Allemagne. Je veux citer leur nom puisque c'était de mes meilleurs amis. Abbas Sarrafian, c'était à Cologne, en Allemagne. Et Ibrahim Kabei, il était à Los Angeles, patron de Pars Video, une grande compagnie. Tous les deux, c'étaient riches milliardaires. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu faire quelque chose pour eux-mêmes au moment qu'ils sont devenus invalides. Alors, avec cette invention d'hier, s'ils restaient vivants parce qu'ils sont déjà morts, ils pouvaient vivre encore longtemps. C'est quoi? À votre front, on va coller un scotch, 3 points. Après, vous allez être connecté à l'ordinateur. À partir de l'ordinateur, vous, dans votre pensée, sans utilisation des mains, sans utilisation des pieds ou n'importe où, seulement avec votre cerveau, vous pouvez écrire par l'ordinateur qui est en face de vous et vous pouvez faire bouger des choses. Vous pouvez faire bouger des choses. Ça, c'était annoncé depuis mi-juillet 2018. C'est la dernière invention, le progrès, que si ça s'était découvert il y a déjà un an, deux ans, moi-même je recevais deux de mes amis. Ils avaient en plus, ça ne coûte pas tellement cher, ça. Pour le commercialiser, ça ne coûte pas tellement cher. Surtout, imaginez-vous les choses qu'Israël a pris en main, une chose que vous ne savez pas, les jaloux. Parce que quand on est jaloux de tout le côté. Regardez, chaque fois quand ils entrent dans le marché, même c'est bien pour vous, puisqu'ils baissent le prix. Ils baissent le prix. Tati, c'est un juif. Tati, il a baissé les prix pour vous. La communication téléphonique, imaginez-vous, portable, était tellement chère. Moi, j'étais quelqu'un qui, à l'époque, j'avais le gros téléphone portable dans la voiture. À l'époque, il y avait un gros téléphone portable que ça pesait 20 kilos, je crois. Je le mettais dans la voiture, je pouvais communiquer, téléphoner, etc. À l'époque, je payais 15
15 francs la minute. Et après que les smartphones ils sont arrivés dans le marché, rappelez-vous, on payait 2 euros, 2,50 euros la minute. C'était tellement cher par France Télécom. C'était tellement cher. Mais dès que c'est le marché d'Israël est entré dans le coup, comme Free par exemple, que vous le connaissez, le Free, il a cassé le marché. Le fibre, il a cassé le marché. Actuellement, dans le supermarché, le produit alimentaire que vous achetez, quand on vous parle, je vous assure qu'ici, ce n'est pas pour défendre Israël. Je vous assure, c'est David Abbassi, et le croyez-moi, c'est pour vous défendre, vous. Vous qui vous voulez avoir des choses pas chères, vous. Israël, il n'a pas besoin de David Abbassi de défendre Israël. Il n'a pas besoin de moi. Il a Trump avec lui. Il a Recep Tayyip Erdogan avec lui. Il a tous les rois du monde avec lui. Il a le Grande-Bretagne avec lui. Il a Poutine avec lui. Il n'a pas besoin de moi, Israël. Ce n'est pas pour Israël que je parle. C'est pour vous. Pour vous, augmenter un peu votre conscience. C'est pour vous. On dit embargo contre les produits. Qui lance cet embargo? C'est les grands supermarchés européens, internationaux, contre les petits marchés, supermarchés, supérettes, qui vous donnent les marchandises 30% au moins, de temps en temps 40% moins cher. Il y a deux grandes surfaces, enfin pas tellement grandes, qu'ils ont remplacé OD qui était communiste. C'est deux. N'importe quoi que vous pouvez acheter dedans, c'est moins cher. Je ne donne pas le nom pour ne pas faire de publicité. C'est juif. Le vin, il y a un vin Bordeaux. Moi, je l'ai acheté 6,50. 6,50. Là, j'achète à moins de 3 euros. Et beaucoup d'autres choses ainsi. Soyez un peu intelligent, gentil. C'est par la jalousie que les autres ils vous utilisent. Actuellement aussi, il y a un conflit, il y a une guerre entre les trois pouvoirs islamiques dans le monde, l'Arabie Saoudite, la Turquie et l'Iran, la République islamique d'Iran. Ces trois pouvoirs, profondément, ils sont unis, mais symboliquement, ils sont contre. Symboliquement, ils sont en train de ramener la guerre pour prendre la direction du monde musulman. Mais le 3, c'est la même chose. L'autre, c'est un islam chiite. Et là-bas, c'est un islam wahhabite. En Turquie, c'est un islam autonome, othmanien. Là, ils pensent ainsi, 12 imams. Et là, en Turquie, ils pensent à Mohammed, Abou Bakr, Omar, Hassan, Hussein, c'est-à-dire les wahhabites du Sibyl Corus. Mais le fond de toute cette histoire-là, c'est l'islam. Et l'islam, c'est le Coran, c'est le Mahomet. Alors, ces trois forces, ils ont des problèmes. Au même, ils sont en train de régler ce problème avec l'Israël. Et nous, ici, pourquoi on doit ramener cette guerre? Et de l'autre côté, oh, ces trois forces islamiques dans le monde, les trois forces, par trois chemins, par trois voies, ils sont en train d'avancer en Occident contre la civilisation judéo-chrétienne. Tous les trois. Trois islams, ils sont en train d'avancer. N'importe qui avance, c'est l'islam qui a gagné. Et comme les Américains, ils ont dit, comme les savants, ils savent, l'islam politique, c'est dangereux de n'importe où qu'il va venir. Il vient de la Turquie, il vient de la République islamique, il vient de l'Arabie Saoudite, au Qatar. Et le pouvoir politique islamique, c'est dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que David est en train de vous dire ce soir, c'est très important, mes chers amis. Prenez bien note. N'entrez pas dans l'enjeu qui va jouer contre l'Occident, contre la civilisation moderne. On le nomme judéo-chrétien, cette civilisation que vous voyez, vous l'avez dans votre main, de smartphone jusqu'à fibre, jusqu'à tout ce que vous voyez autour de vous, le satellite, 2500 chaînes de télévision, tout cette progrès-là. On est pour, on est contre, c'est le progrès, c'est la civilisation, c'est la nouvelle civilisation. On est en train d'avancer petit à petit, la plupart des gens, ils sont ignorants. On utilise ces gens-là sans conscience. C'est vrai qu'ils viennent, ils répètent cinq phases depuis 30 ans.
C'est cinq fois ce qu'il répète. Mais de l'autre côté, il faut en téléphoner, il ne faut pas rester les mains croisées. Hein. Moi, il y avait une radio communautaire toute l'après-midi. Toute l'après-midi, à 14h, il commençait son émission contre David Abbassi, il y a déjà 10 ans. Tous les jours, il commençait son émission contre moi. Moi, je faisais une fois par semaine une émission de 2h, mais il faisait 5 jours émission contre moi. Même des choses que moi, je n'avais pas dit, il disait, il lançait des mots. Il me comparait avec ça, avec ça. Après, la communauté, son communauté, il les a encouragés d'envoyer des lettres à droite, à gauche. Et il a fait tout ce qu'il a pu. Mais à la fin, c'est moi que j'ai gagné. C'est la vérité qui a gagné. Cette radio était interdite en France. Le patron était sorti de la France. Cette radio communautaire qui était soutenue par les islamistes. La France, c'est ça, a interdit cette radio. Une fois qu'il était informé, qu'ils ont mis sous l'écoute, qu'ils ont écouté, tatati, tatata, ils pensaient qu'ils pouvaient jouer contre moi. Mais à la fin, c'est moi que j'ai gagné contre eux. Actuellement aussi, il faut réagir. Il faut venir dire. Les gens qui viennent sur n'importe quelle antenne, toi en train de parler de n'importe où, et tout d'un coup, ils ramènent Palestine dans le jeu. On est en train de parler d'autre chose. C'est le Palestine. Le Palestine, ils ont des problèmes entre eux. Il y a une guerre entre eux. Et pour la part de ces mouvements-là, c'était créé par Israël même. Et il l'utilise au moment qu'il a besoin d'installer la paix. Maintenant, pour frapper la Syrie, les missiles qu'il envoie vers Israël, ça aide, ça justifie les attaques. Et ils sont cons, les islamistes. Ils sont cons, ignorants. Et vous, n'importe quoi que vous faites, vous vous ramenez le sujet, vous le collez. En Palestine ou Israël, c'est pas la jalousie, c'est la jalousie. Tous les gens ont dit de temps en temps qu'il y a une idéologie. Pourquoi? Puisque Mahomet, prophète de l'islam, il était contre les juifs, il les a massacrés, il les a tués. On dit que les chrétiens, ils disent que Jésus était tué par les juifs. Alors, tout ça, c'est des lablabs. Tout ça, c'est des lablabs. C'est la jalousie. Et vous, au lieu d'être jaloux, vous devez apprendre de ces gens-là, de travailler comme ces gens-là, de bouger comme ces gens-là, inventer, créer des choses, découvrir dans les sciences, dans n'importe quoi. Allez-y. N'ayez pas seulement l'esprit comme quoi vous allez au paradis et vous aurez les 72 vierges là-bas. Non. Essayez d'avoir 72 millions de dollars ici en gagnant votre vie, en travaillant. Prenez une femme belle ici. Fabriquez des enfants. Construisez le foyer. Ayez des voitures, des maisons. Vous pouvez l'avoir. C'est tellement facile. Regardez tous ces footballeurs. Et ils sont, pour la part, d'origine musulmane. Mais ils sont gagnés. Ils sont fiers d'être français. Comme ces footballeurs, les champions du monde. Vous en avez plusieurs d'autres exemples en France. Mais heureusement, je vois, il y a déjà la première chose qui est très intéressante. Je constate qu'il y a une volonté d'une majorité de musulmans d'entrer dans la communauté mondiale. Déjà, ils ont commencé à donner des prénoms adaptés à la société qui vit dedans, à leurs enfants. Cet acte est un acte très courageux. Puisque l'enfant, il peut mieux avancer. S'il s'appelle Mohamed, il n'est pas obligé de demander M, je ne sais pas quoi. On lui donne un prénom moderne, comme dans la société. L'éducation, l'école, l'université, ils vont réussir. La majorité des musulmans sont comme ça. La majorité des musulmans français aujourd'hui, ils sont très intelligents. Ils sont très larges dans leur pensée, ils sont très humanistes, et ils ne sont pas intégristes, ils sont des gens comme les autres,
comme des autres, il vit comme les autres, mais une petite minorité qui existe, cette minorité, c'est rien du tout. Regardez sur cette antenne, les intervenants que nous avons toujours. Je vous écoute de temps en temps. Il y a des philosophes qui parlent sur cette antenne. Des philosophes, des savants. S'ils s'appellent, je ne sais pas, Bachir, Salim, moi, même Mohamed ou Mouloud ou Noureddin ou quoi, ou même Pascal, Pierre, Paul, François, Françoise, tout ça, je vois que vous êtes tellement intelligent, tellement fort dans le penser, et c'est vous que vous allez construire votre pays demain, et vous allez arrêter cette haine que les autres, ils essayent de le fabriquer jour après jour à cause de la jalousie. Seulement à cause de la jalousie. Il n'y a pas d'autre chose. Mes chers amis, permettez-moi de vous embrasser, toutes et tous. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci d'être avec moi. Je vous aime toutes et tous. I love you. Au revoir. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. Sur Internet, icietmaintenant.com. Sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20.